Surprenante et dérangeante, oui Mathilde. Surprenante par la couverture, le visage d'une femme griffonné en noir et blanc. Son regard est inquiet. Juste au-dessus de sa tête, un numéro de dossier est inscrit en lettres rouges. Guerre psychique et leurs influences invisibles. Rapport d'opération 1 sur 3. En bas de couverture, trois indications. Usage officiel uniquement. Merci de porter des gants de protection psychique à la lecture de ce livre. Analyse de terrain vous concernant, comprenant un chapitre sur votre paranoïa. Cette couverture s'adresse à vous, lecteur, et en ce sens, elle dérange. Pourquoi ces recommandations? En gros, vous comprenez très vite qu'il va être question du cerveau, de l'être humain et de ses capacités. D'ailleurs, ce livre est construit comme tel. Matkin, son auteur, propose une mise en page sous forme de dossier qui donne l'impression d'être passé entre plusieurs mains. Il y a des traces un peu partout. Et dans les marges, vous avez des indications tapées en bleu, petit caractère, du type « Toute information essentielle doit être consignée dans cette zone » ou alors carrément. Manuel d'opération 1.11. N'ingérez aucun aliment ou boisson non préparé par vos soins. Manuel d'opération 2.2. Visez toujours le torse d'un ennemi à moins que vous ne cherchiez à retourner ses pensées contre lui-même. Auquel cas, visez la tête. Ça ressemble à de l'espionnage, une société secrète, c'est ça ? Imaginez, Mathilde, que vous pouvez lire dans les pensées de tous les êtres autour de vous et qu'en plus, vous pouvez prévoir leurs actions. Imaginez que vous avez la capacité de manipuler les émotions de vos proches, que vous comprenez le langage des animaux, que vous pouvez visualiser le moindre défaut d'un bâtiment, que vous pouvez effacer la mémoire d'une personne, vous y êtes. Imaginez maintenant que vous réunissez toutes ces personnes et leurs capacités individuelles en une société secrète. Si vous détenez ce pouvoir-là, alors vous êtes invincible. C'est exactement le sujet de Mind Management. La manipulation mentale est l'arme suprême. Ces gens ne sont pas des mutants comme dans X-Men, ce sont juste des gens comme vous et moi que l'on a repérés et formés pour devenir de vraies machines de guerre. Matkin dresse ainsi le portrait de chacun. Comment certains ont été retirés à leurs parents, comment d'autres ont été détectés à l'âge adulte. Il les présente et les fait se raconter pendant la guerre du Golfe, pendant une campagne présidentielle, etc., etc. L'auteur vous dit en creux que le monde dans lequel vous vivez est finalement factice, que vous êtes manipulé. D'ailleurs, peut-être qu'au moment où je vous parle, mes mots ont la capacité de vous endormir et que je vous envoie des messages subliminaux. Qui sait ?